ressens plus rien. Elle va nous tuer. Oh tiens, en fait, Erwan, je suis enceinte. Pourquoi tu me gardes comme ça? Je veux que les autres te croient mort. Tu voudrais bien venir avec moi? J'aimerais te présenter à quelqu'un. Bien sûr. Je ne peux pas mourir. Et mon sang est un poison, visiblement. Son âme et son corps ont été séparés. Et toi, Abby, tu n'as ramené que son corps. Son âme est encore quelque part sur terre ou sous terre. On doit retrouver son âme. Bienvenue dans le labyrinthe des âmes. Qui êtes-vous? C'est moi qui donnerai les ordres. C'est moi qui gouvernerai. Jamais vous ne mourrez. Lara a pris le pouvoir sur le royaume des vampires. Je n'ai pas réussi à la ramener. Vu comme elle est, les vampires ne vont pas tarder à se monter contre elle. Oui, il faudrait arriver à assurer tous les vampires. Et après, elle serait toute seule. Donc elle serait obligée de se rendre. De toute façon, ce serait soit ça, ou alors il faudra la tuer. Je ne supporte pas de perdre ma meilleure amie, après mon copain. Naomi, on va tout faire pour éviter d'en arriver là. Bon, si vous voulez bien, je vais me retirer un peu. J'ai besoin d'être seule. Attends, Naomi! Laissez-moi. Non, viens avec toi, Noémie. On va pas te laisser toute seule. Oui, entre sirènes, on doit s'aider, non? Quand je dis de me laisser tranquille, vous me laissez tranquille, ok? Bon, très bien, comme tu voudras. Floriane, viens, on rentre chez nous. L'océan m'avait manqué. Oui, moi aussi. Mais c'est... Jason? Non, vous faites erreur. Mais si, c'est toi, l'ex de Lara. On te croyait mort, pourquoi t'es parti? Écoute Naomi, je n'ai jamais voulu ça. Si t'étais pas partie, elle ne serait probablement pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire? Elle est devenue impitoyable. Elle ne ressent plus aucun sentiment. Elle a perdu son âme. Mais comment c'est possible? J'en sais rien, mais c'est à cause de toi tout ça. Tu sais, j'ai revu Lara. Elle sait que je suis en vie. Et je lui ai demandé de ne rien dire à personne qu'elle m'avait revue. Et elle me semblait tout à fait normale. Mais elle est morte à cause d'Erwan. Et c'est Abby qui l'a ressuscité. Ah oui, c'est la sorcière qui veut tuer les vampires, c'est ça?
Elle ne s'occupe plus de ça maintenant. Elle est gentille avec nous. Tu sais, il faut toujours se méfier des apparences. Et toi, ça va? Non, en plus de ça, Félix est mort. Oh, je suis désolé. Tu parles, tu t'es bien fait passer pour mort, alors t'es désolé de toi, au juste? Je suis désolé pour ce qui t'arrive, je t'ai toujours apprécié, Naomi, mais je te respecte. Je suis vraiment navré pour tout ça. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu sais, me séparer de Lara a été très dur. Mais elle était beaucoup trop sensible. Je ne pouvais pas rester à ses côtés. Je ne pouvais pas me montrer égoïste à son époque. Mais tu l'as abandonnée! Tu disais que t'étais amoureux d'elle, mais tu l'as abandonnée sans rien dire. T'es parti. Non, je suis resté. C'est juste que personne ne m'a vu, et j'ai pu voir comment Lara a souffert. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait une terrible erreur. Mais il était déjà trop tard. Tout le monde me croyait mort, mais en tout cas, je ne recommencerai plus jamais ça. Maman, de toute façon, elle va probablement mourir. Je ne parlais pas forcément de Lara. Je ne suis plus amoureux d'elle. C'est du passé, tout ça. Bon, je vais te laisser, si tu veux bien. Tu veux pas rester un peu chez moi? Ouais, si tu veux. Votre Majesté, j'ai horriblement faim. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Où sont tous les esclaves humains? Transformés en vampires par Josh. Mais comment nous allons nous nourrir? Il faut aller chercher très loin. J'ai envoyé des vampires afin de transformer tous les humains de cette ville. Mais il nous faut du sang. Écoute, tu veux gagner cette guerre contre les éléments? Je veux bien t'aider. Mais on fait selon mes règles. N'oublie pas que je suis l'impératrice du mal maintenant. Mais à quoi ça va te servir de transformer tous les humains que tu croises? Avoir une armée. Pour aller à la guerre, il nous faut bien une armée. Mais il n'y a que quelques personnes que l'on doit tuer. Mais n'oublie pas que ces quelques personnes ont tous des pouvoirs magiques. Toi aussi, tu es la sorcière du feu. Ah, mais moi, je ne vais pas combattre à vos côtés. Je tiens à ma vie. Et aussi à garder mon âme le plus loin possible de moi. De toute façon, tous les jeunes vampires seront morts avant que tu partes d'ici. Tu as oublié qu'ils doivent boire du sang humain pour achever leur transformation. Eh bien, on fera sans, je ne céderai pas. Jason, j'apprécie énormément ce que tu fais pour moi, mais je vais peut-être devoir partir. Mais non, t'es pas bien là? Si, mais je dois savoir comment avancent les recherches pour sauver Lara. Au fait, je suppose que les personnes avec qui tu es n'ont pas de toit où s'abriter? Non, ils dorment sur des tentes sur une île pas loin d'ici. Eh bien, invite-les ici. Mais je croyais que tu voulais pas qu'ils te voient. Je me planquerai quelque part, t'as qu'à dire que c'est ta maison de famille. Ça va faire bizarre de les inviter, alors que je sais qu'ils sont restés dehors pendant une semaine. Invite-les. Bon, ok. Moi, Erwan, maintenant que Lara n'est plus là, tu vas retourner voir le dieu des dieux pour annuler ta décision? Je vais attendre un peu. Il y a toujours un espoir. Tiens, j'ai reçu un message de Naomi. Elle nous invite à aller à la maison de ses parents. Salut! Merci pour ton invitation, Naomi. Oh, c'est rien. C'est bizarre, je sens l'odeur d'un autre vampire. Dirais l'odeur de mon frère. Ton frère? Oui, j'ai un frère. Et lui ne le sait pas. Jason, je sais que tu es là.
Je croyais que t'étais mort. L'autre fois, on s'est vu, Jason. Je voulais pas que les autres sachent que j'étais là. Mais j'ai entendu, c'est de moi que tu parlais? Oui, tu es mon frère, Jason. Et quelqu'un t'a effacé les mémoires, donc tu ne te souviens plus de moi. Mais oui, tu es mon frère de sang. C'est pas possible. Et pourtant, si. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes devenus des vampires en même temps. Nous étions parmi les tout premiers vampires. Je me souviens pas. Je vais te raconter tout ce qu'on a fait ensemble si tu veux. Avec plaisir, j'ai hâte de découvrir mon passé. Je comprends pourquoi je m'entendais pas avec Enzo. C'est le frère de Jason. Ouais, c'est bizarre, hein. Tu sais, ce qui est bizarre, c'est de me dire que tu es ma fille. La fille que j'ai conçue avec Lara. Ça me fait tellement bizarre. Tu as l'air vraiment d'être une fille forte. Tu as à peine pleuré quand t'as appris la mort de ton copain. Avec ce que j'ai vécu dans le futur, j'ai appris à devenir forte. Même si la tristesse est toujours là, je ne le montre pas. Je regrette tellement de ne pas t'avoir vu grandir. Tu pourrais me voir quand j'étais plus jeune si tu vas dans le futur. Tu pourrais tout changer. Mais j'ai vécu tellement de choses horribles, si tu savais. Raconte-moi. Mes parents adoptifs sont morts quand j'avais 11 ans. Ils sont morts sous mes yeux. Et pendant une semaine, je suis restée enfermée avec eux. Et puis, nous étions très pauvres. Pour survivre, j'ai dû manger leurs cadavres. Oh, ma pauvre fille. Ma pauvre petite fille. Maintenant que t'es là, il ne t'arrivera plus rien. Josh, Félix, on doit se rebeller contre Lara. Tiens, t'as besoin de mon aide maintenant. On est tous du même camp. On va tous mourir si on reste sous les ordres de Lara. Je ne te suivrai pas, Anna. Je ne tuerai pas les éléments. À cause de ta petite Noémie, je sais. Mais si tu veux, une fois qu'on aura tué Lara, tu seras libre de partir. Je te le promets, Félix. Tu pourras retrouver ta copine. Vous êtes en train de comploter contre moi? Hein, quoi? Non, bien sûr que non. Eh bien, vous allez rester tous les trois enfermés dans cette cellule. Voilà, désolé, je ne veux pas de concurrence. Naomi, ça va? Pas trop, non. Tu repenses à Félix, je sais. On est dans le même cas, tous les trois. Nous avons tous perdu notre âme sœur. Je sais que ça va être dur, mais on doit arriver à surmonter ça. Les miracles existent bien, sinon, je ne serais pas en vie. Donc, il y a encore un espoir qu'on les retrouve. Mais Félix et Michael sont morts, pas Lara. Pas encore, du moins. Mais tu sais, dans un monde où la magie existe, on peut s'attendre à tout. Oui, j'espère qu'ils vont revenir tous les trois. Bon, je vais voir Enzo et Jason. Naomi, ça va? Ouais, on va dire ça. Enzo, merci pour tout ce que tu m'as raconté. Je suis content de découvrir que j'ai un frère. Ah, de rien. Dis-moi, Jason, tu vas encore essayer de coucher avec Lara si elle redevient elle-même? Je ne referai jamais ça. Et pourquoi pas? J'ai changé, Erwan, je ne suis plus le même. Je suis content que mon frère ait grandi un peu. C'est pas que j'aimais pas les putes, mais voilà quoi, je m'en lasse. Donc, tu insinues que Lara est une pute? Je ne recoucherai jamais avec une femme pour qui je n'ai aucun sentiment. J'espère pour toi.
9 mois plus tard, Lara accoucha de son enfant, une fille encore. Elle avait également acheté un autre château où elle vivait le jour pour élever sa fille. Mais elle gardait Anna, Josh et Félix, toujours prisonniers dans son ancien château. Quant aux autres vampires, ils avaient tous quitté la ville entre-temps, ou alors ils étaient morts. Il restait seulement Anna, Josh et Félix. Lara tenait à les avoir en vie, donc elle leur donnait une petite quantité de sang par jour pour éviter qu'ils ne s'entretuent. Le temps passait, et Lara voyait sa petite fille grandir chaque jour. Elle avait désormais 2 ans. Quant à Abby, Enzo, Erwan, Naomi, Jason et Annika, ils cherchaient tous désespérément l'âme de Lara et commençaient à perdre espoir. Au final, presque 3 ans après la mort de Lara, quasiment rien n'avait changé. J'ai un plan, les gens. Lara viendra nous demander notre dose de sang. Je boirai la vôtre. Et ainsi, j'aurai assez de force pour enfoncer la grille. Et pourquoi toi? Et pourquoi pas Josh? Ou même moi? Parce que c'est moi qui suis censée être la reine. Alors, ma petite fille, je n'ai aucun sentiment, mais je ne tiens pas à ce que tu meurs, Roxana. T'es ma fille quand même. Je vais te protéger. Ah tiens, c'est l'heure de la dose de sang pour les autres vampires. Il est où, Jason? Quelque part. Mais dis... Je sais ce qui ne va pas chez toi. De quoi? Tu es amoureuse de Jason.